Duel d'invaincu, Big Rosti, entre Cédric Doumbé et Baïsangour-Shamzoudinov, le 7 mars prochain. Accord, hôtel, arena, le choc qui va passionner la France entre d'un côté Baïsangour-Shamzoudinov, de l'autre côté Cédric Doumbé. Évidemment, le trash talking a déjà commencé, mais là, on va s'intéresser aux sportifs. Vous le savez, pour chaque grosse confrontation, on fait l'analyse suivie de Los pronosticos avec Big Rosti. On vous donne chacun nos pronostics bien oui c'est parti générique L'UFC vie plus fort avec Cédric Doumbé by Shamsouinov, on est dans une situation il y a beaucoup de gens qui parlent d'une opposition de style est-ce que tu es déjà d'accord avec ça toi Ouais, bah en soi, oui, dans le sens où il y a un striker clairement établi qui est Cédric Doumbé qui va essayer de rester debout et de faire mal, mettre KO et faire tout ce qu'il a à faire sur ses deux pieds et il y a un Baki qui va très probablement effectivement mettre à profit son MMA total parce qu'on l'a vu au cours de ses nombreux combats avant et à Arès qu'il sait vraiment tout mixer parfaitement que ce soit le striking et la lutte ensuite aller au sol au sol striker c'est vraiment il fait du MMA complet Baki et il aurait bien tort de se priver de cet avantage là dans, en termes de connaissance, d'automatisme et d'expérience de, et dans tous Les domaines différents du MMA, donc effectivement, de ce point de vue là, c'est une opposition de style. Et tu parles de tout mixer Big team, mais pour Cédric Doumbé, on voit qu'il se passe ce qui se passe généralement avec les combattants qui viennent, on va dire, du pied-point, que ce soit les Cyril Gann, les Israël, les Saniales, les Alex, On veut les amener au sol. Cédric Doumbé, il a déjà été au sol en MMA, mais chaque fois il arrive à se relever. Est-ce que Baki, tu penses qu'il va pouvoir le maintenir au sol et est-ce qu'il a tout intérêt à directement amener cet aspect là de le combat d'entrée de jeu? Ah bah probablement que oui. En fait, le sol de Cédric Doumbé, c'est assez intéressant parce qu'avant de regarder du coup tous les combats qu'il a fait en MMA, j'avais aussi ce souvenir qu'il veut absolument juste se relever et être uniquement que debout. En réalité, pas vraiment. En fait, au cours de ces différents combats, et notamment au MMA Grand Prix, il veut aller au sol. C'est-à-dire qu'il y a... Par exemple, à l'UFC, tu sais, il y a des, des occurrences comme euh, Ken Velasquez, pourtant euh, champion, grandissime champion UFC, qui à certains moments, dans ses combats contre Fabrice Verdum, ne voulait pas aller au sol. C'est-à-dire qu'il mettait un knockdown ou il mettait ou il tombait sur son dos le champion Verdum, enfin, en tout cas, Fabrice Auverdum, et on avait un Ken Velasquez qui était en mode Ok, je, je refuse de m'engager. Pareil avec, par exemple, Fedor contre Jeff Monson, qui refusait d'aller au sol. En fait, Cédric. Il y va, il y est allé volontairement pour justement montrer que ce soit au sol euh, qui peut faire du ground and pound, ne, qui n'est pas en danger, qui ne se sent pas en danger, euh, et même en clinch contre la cage. On l'a vu essayer lui-même de faire des mises au sol, etc. En réalité, c'est moi ça qui m'a assez impressionné, c'est que depuis ses débuts en MMA, il n'a pas fui le sol, Cédric. Il n'a jamais fui le combat au sol. Donc c'est ça qui est assez encourageant pour lui en tout cas, c'est que même s'il n'est absolument pas autant expérimenté dans les sports de préhension, donc on rappelle qu'il bah, qu vient du judo, et puis il a fait du grappling, il a fait du MMA toute sa vie, même s'il n'a pas cette expérience-là, Cédric Doumbé, bah, il a vraiment mis un point d'honneur depuis sa carrière MMA, montrer que non, non, je... s'il faut y aller, j'y vais, contre Pavel Klimas, il a mis du grand on pound, contre Florent Burillon, il, est... il est allait en clinch contre la cage pour voir, alors, s'il a le choix, probablement qu'il va rester debout, bien sûr, mais on n'a pas affaire à quelqu'un qui est complètement comme un lapin devant des phares quand ça va au sol. Alors, par contre, effectivement, c'est là où c'est intéressant, c'est on sent qu'il n'a pas les automatismes. Par exemple, là, je parlais du clinch contre la cage contre le Forum blu En fait. Quand il engage en clinch contre la cage, dans les tout premiers instants de l'échange en, en clinch contre la cage, en fait, tu sens qu'il n'a pas exactement le réflexe, comme si c'était une seconde nature, par exemple, de vraiment mettre la tête contre la, de, contre la mâchoire de Burion pour vraiment contrôler sa tête avec la sienne, et de mettre le, la, la main sur le biceps à l'intérieur pour contrôler soit le biceps, ou en tout cas soit le poignet, mais pour contrôler le bras de Florent Burion contre la cage. Et ben, du coup, j'ai vraiment été me gaver pour essayer de ne pas raconter de bêtises. De, euh, de combattants de MMA et de quelles étaient les, les, les choses à faire immédiatement quand tu vas en cliche contre la cage et en fait ils disent tous qu'en fait il y a trois choses c'est garder lui sa tête et la bloquer avec la tienne avec ton crâne pour que ce soit toi qui contrôle le, le, sa tête qui puisse pas rentrer créer de l'espace etc contrôler l'intérieur donc soit son biceps soit sa main et ensuite essayer de mettre ta jambe à l'intérieur des siennes pour contrôler ses mouvements le fait qu'il ne s'échappe pas etc et en fait, quand tu regardes ça, bah, tu vois qu'il ne le fait pas directement, Cédric Doumbé. Donc, c'est pas quelque chose qui lui vient et dont tu vois qu'il l'a fait toute sa vie. Mais, et c'est là où c'est intéressant, bah, il, y a, il arrive en, clin en clinch contre la cage. Et au bout de quelques secondes, et de, de, où qu'il y a eu un peu de mouvement, c'est un peu comme si tu sens qu'il se rappelait oh, Ok, donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et là, il le fait il reprend les contrôles, il remet sa tête, etc. Mais voilà, c'est un peu. Alors. Tu vois, c'est un peu, ça me rappelle Cyril Gern contre John Jones, dans le sens où tu, on, on avait fait tout un pataquès, mais qui s'était avéré bah, important et réel sur le fait que même si il apprend à une vitesse qui est vertigineuse, Cyril, bah tu sens qu'il y a une différence entre savoir quoi faire quand tu y réfléchis et le faire de manière seconde nature où tu as cette demi-seconde d'avance parce que toi tu t'as même pas à y penser, c'est ton corps qui le fait pour toi. Et pareil, lorsqu'il était dans, dans certaines phases de Grand part nous pourtant c'est lui qui est en contrôle contre Pavel Klimas au à Grand Prix, mais bah en fait, et ça c'est Greg Amema d'ailleurs qui le dit pendant les commentaires, en fait, il y a des moments où il est en contrôle, euh, il est dans la garde de Pavel Klimas et. Bah, tu sens il devrait à un moment donné mettre son avant-bras contre la gorge pour le garder, l'empêcher de se, de se relever, etc., contre climas Il le fait pas immédiatement. Et après quelques secondes et que ça ait bougé un petit peu, tu sens qu'il se rappelle, ah oui, ok, donc je suis censé pam, pam, pam. Donc en fait, tu sens que il a salement travaillé, tu sens qu'il sait quoi faire, mais qu'il est obligé un petit peu d'y réfléchir quand il est dans ces situations-là. Et c'est normal. C'est bah, Pour lui, c'est un kickboxeur de métier qui a commencé le MMA seulement il y a quelques années. Et donc, là où c'est très intéressant, effectivement, c'est que contre Dumbé, euh, contre Baki, pardon. Du coup, je me suis refait tous les combats de Baki à Ares. Lui, c'est au sol, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que il est, il fait ça, et tu sens que il n'y réfléchit même pas. Et il n'y réfléchit même pas au point où, quand il bouge au sol, qu'il prend ses contrôles, qu'il arrive dans une situation donnée. Ils ont, mettons qu'ils chutent au sol ou qu'ils aillent en clinique contre la cage, ils sont à peine arrivés le dos contre la cage ou le dos de, de son adversaire a à peine touché le sol qu'il a déjà mis en place les contrôles et qu'il le fait de manière instinctive. Et c'est là où ça peut jouer. C'est-à-dire que, bah, donc, même si c'est vrai, de manière générale, il est dit que c'est plus facile. D'apprendre à se défendre. Je viens de lâcher un énorme truc, un postillon, j'espère que ça ne se verra pas. Mais c'est voilà, ce qui est dit généralement par tous les plus grands, les, les plus grands combattants et les plus, en, les plus grands entraîneurs c'est que c'est plus facile d'apprendre à se défendre et se relever et bloquer quand tu es dans des phases de lutte ou au sol que d'apprendre à effectivement passer des gardes, à progresser, à soumettre, etc., à mettre en danger. Donc. Même s'il si a, il a ce retard euh, et qui fait que ce n'est que pas quelque chose qui lui vient immédiatement Cédric Doumbé, peut-être que ça peut suffire à bloquer les avancées euh, puisqu'il sera en mode full défense probablement Cédric Doumbé de Baki. Mais en tout cas, si ça se retrouve au sol, bah, effectivement, quand on voit ce qu'il a réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune phase là de, dont je me souvienne et que j'ai vu dans les combats de, de, de Baki où il est dépassé par son adversaire au sol que ce soit en lutte, que ce soit de, enfin clinch contre la cage, au solde, dans n'importe quelle position, c'est toujours Baki qui arrive à, avoir, à dépasser son adversaire dans la technique et même dans la rapidité d'exécution. Donc c'est pour ça que je me dis effectivement, on le sait, c'est ce qu'on se disait probablement, mais... Même avec les meilleurs coachs du monde et même avec le meilleur entraînement, il y a ce côté qui a fait ça pendant toute sa vie qui fait qu'il aura probablement l'avantage de vitesse dans la prise de décision et dans la progression au sol. Et quand on dit ça, évidemment, on n'enlève rien à Cédric Doumbé ah bah qui non. lui fait du MMA donc qui bouffe du sol depuis 2017-2018. Donc aujourd'hui, ça commence à faire énormément de temps. Mais évidemment, quand vous comparez toute une vie, tous les automatismes dont a parlé Big Rusty qui font que vous allez toujours avoir ces demi-secondes d'avance à quelqu'un qui a appris, je ne vais pas dire sur le tas mais en 6-7 ans même au plus haut niveau forcément quand on est au PFL bah ça va créer forcément un déséquilibre Big Rusty, je voulais ajouter par rapport à ça à Baïsangour Chamzouinov donc là on a parlé de son sol ou sur le papier bah il a tout intérêt à l'utiliser mais c'est vrai que Baki aussi quand on regarde ses combats à S il y en a certains je pense notamment à celui contre Michael Marisardi où il utilise quasi exclusivement son anglaise en fait c'est ça qui est assez intéressant c'est pareil de la même manière que j'avais un peu oublié que Cédric Doumdé n'avait absolument pas peur d'aller au sol euh, dans sa carrière en MMA, mais en fait, j'avais un peu ce, cet a priori euh, de Baki juste dans mes souvenirs, tu vois, que ouais, mais quand il met au sol, il n'arrive pas trop à contrôler et les mecs se relèvent. Et, euh, bah, en fait, en réalité, non, c'est simplement que, que ce soit bah, par exemple contre Marisardi ou que ce soit dans le combat qu'il a fait contre Efren Escudero, en fait, c'est qu'il veut rester debout. Et, mais il y a vraiment des moments où tu sens qu'il est en clinch et il met la personne au sol. Il pourrait littéralement continuer le contrôle comme il l'a fait, et c'est pour ça qu'en fait que je dis ça, c'est il pourrait continuer à contrôler, à les accrocher, à les dominer et à les neutraliser au sol contre la cage, etc. Mais il décide de ne pas le faire parce qu'il veut s'amuser entre guillemets debout et travailler debout parce que probablement que c'est plus fun pour lui, et qu'il sent qu'il a l'avantage aussi. Parce qu'on rappelle que Baki jusqu'à maintenant, et c'est quand même assez impressionnant, tu vois n'a perdu aucun round dans sa carrière en MMA, ce qui est quand même fou. Aucun round, pas un seul, mais il tombe face à un Cédric Doumbé qui lui 5 combats 5 KO KO. Mais ben, par rapport à à Doumbé fait, à, à Baki effectivement, ben, comme il est tout le temps en contrôle, c'est lui qui juste décide bon, est-ce que je vais aller au sol, est-ce que je reste debout en fonction de ce qu'il a envie de faire et parce que donc, par exemple, dans son combat, dans son avant-dernier combat contre euh, Mikkels, euh, le Brésilien, j'ai oublié son prénom, mais enfin en tout cas Mikkels, Mikkel, il euh, là par contre, il s'est dit, ok, le mec est solide debout, il est fort, bon, on va, on va essayer plutôt de soit de le crever euh, au sol, ou en tout cas de le dominer. Et là, il a utilisé sa lutte et ses projections, et ensuite il a décidé de continuer et de contrôler, et il l'a fait, euh, bah, je crois qu'il a contrôlé... Euh, sur les 15 minutes, c'était un bail genre 10 ou 12 minutes, tu vois, parce que quand il le veut et quand il le décide, Baki peut contrôler et utiliser vraiment sa science euh, de la lutte, du sol, du grappling, etc. Donc c'est pour ça que, oui, on aurait quand même tendance à penser que si jamais Baki arrive à mettre Cédric Doumbé au sol, il y a... Peut-être que Cédric Doumbé est meilleur par exemple que le fameux euh, Michael. Il faut vraiment que je retrouve son prénom, mais je crois que je ne l'aurai pas. Mais euh, si ça y va, en tout cas, il était puissant quand même, Michael. Il était fort, il était solide, il était gros pour un welterweight. Et pourtant, Baki a vraiment réussi et sans trop de problèmes parce qu'il utilise énormément sa technique, beaucoup plus que son physique, même s'il est, bah, est ultra solide, Baki. Donc j'aurais tendance à penser effectivement que ce sera compliqué. Euh, pour Doumbé de se relever si ça va au sol. Mmh. Et juste avant de parler du striking ultra efficace développé par Cédric Doumbé en MMA, une délicieuse et très rapide page de pub. Et si juste avant d'accéder à cette analyse, vous avez dû encaisser deux insupportables pubs YouTube, généralement c'est le tarif, et que ça vous a saoulé parce que c'est à chaque putain de vidéo quand vous changez, et ben sachez qu'il existe un moyen de vous débarrasser enfin de tout ça, c'est d'utiliser NordVPN en vous mettant en Albanie. Les gars, je vous dis même pas comme ça m'a fait un bien fou quand j'ai configuré mon téléphone et mon ordi sur Tirana. Purée, mais j'ai eu l'impression de redécouvrir YouTube librement comme à l'ancienne. Oui, et je dis mon ordi et mon tel parce qu'en plus, quand vous prenez NordVPN, vous pouvez l'installer sur jusqu'à 6 appareils en même temps. Donc vous allez même faire croquer les potes et la famille. Alors merci à NordVPN parce que ce sont eux qui m'ont donné l'astuce. Et honnêtement, même s'ils sponsorisent cette vidéo et qu'ils sont déjà les numéro 1 du marché, bah, je suis content de pouvoir le dire et surtout de le penser. En plus de ça c'est vraiment le meilleur VPN que j'ai jamais utilisé et de loin donc que ce soit dans l'interface, dans tous les services proposés, que dans sa rapidité et son efficacité. Obtenez NordVPN dès maintenant en utilisant le code LASSURVPN qui vous fait débloquer une offre exceptionnelle et exclusive, lien en description et en commentaire épinglé, un grand merci à eux et on est reparti Et Big l'autre chose l'autre question qui se pose évidemment c'est qu'aujourd'hui on a un Cédric Doumbé qui est en pleine confiance, dernier run en kickboxing il terminait tout le monde, en M même à bis repetita, on a vraiment ce sentiment un peu à la que peu importe ses adversaires, il y a un moment donné, il va finir par trouver l'ouverture, plus ou moins rapidement, et ça va se terminer du bon côté, forcément pour lui. Est-ce que là, et c'est pour ça qu'il y a, je pense, autant de personnes qui voient une victoire de Cédric Doumbé, on a du mal à se dire que Baïsangour chamzunov ne va pas, à un moment donné, se faire toucher par Cédric Doumbé bah, C'est là où c'est effectivement très intéressant. C'est. Bah est-ce que Cédric Doumbé peut, de la même manière qu'il a terminé tous ses adversaires précédents, terminer, et faire mal, blesser ou mettre KO Baki ben, Déjà, effectivement, le style de Cédric Doumbé, c'est assez intéressant parce que il est vraiment différent de celui qu'il avait en kickboxing dans le sens où maintenant, en MMA, comme il y a la menace du takedown, il est beaucoup plus économe, beaucoup plus prudent, sa posture a changé, et maintenant il est beaucoup plus en mode one-shot. C'est-à-dire que il va pas faire beaucoup d'enchaînements, ça va être, il va choisir ses coups, mais quand il les, une fois qu'il voit l'ouverture, il en met un, deux peut-être maximum, même pour les low kicks, mais c'est vraiment à l'économie, parce que bah forcément si tu te lances dans des enchaînements, tu t'exposes, tu t'ouvres, le mec peut changer de niveau et plonger pour te mettre au sol, enfin voilà, c'est, là tout le style, il, tout le style Cédric Doumbamama, c'est vraiment, il a dépouillé son style en kickboxing pour être, à l'efficacité maximale et à la prise de risque minimum. Et bah, jusqu'à maintenant, c'est clair que ça a payé. Donc, effectivement, il a, il a maintenant cette posture où il est vers l'avant, c'est-à-dire qu'il a un peu cette posture où ça incite son adversaire, puisqu'il voit sa tête qui est beaucoup plus proche, à, à jabber, à, mettre, à partir en anglaise. Et. Bon déjà au delà du fait que du coup ça fait un peu Diversion entre guillemets parce que donc ils se focalisent Un petit peu moins sur les kicks, un petit peu moins Ils se disent ah bah a, là il y a une cible qui est toute proche J'en profite, j'essaie je, de l'avoir à l'anglaise etc alors ça marche parfaitement dans le sens où bah, déjà quand on voit le coup d'œil qu'il a, c'est sa spéciale qu'il avait en kickboxing, il a gardé pour le MMA, c'est-à-dire qu'il monte sa tête, il attend que la personne jab et il passe par-dessus avec son overhand, il a touché Climas de manière magnifique avec celle-ci. Et en fait c'est là où c'est l'avantage d'être un kickboxer de classe mondiale et d'être vraiment bah, pour le coup un génie du striking comme Doumbé, c'est que même en dépouillant complètement son style et toutes ses armes pour garder que le minimum. Quelques coups qu'il met en one shot dans un combat d'MMA, bah, il est quand même capable de démolir les mecs. C'est parce qu'il a ce coup d'œil et ce timing et cette gestion de la distance. Et il met aussi beaucoup de low kick. Alors, il n'en met pas forcément beaucoup, mais il les met un peu à la manière d'Alex Pereira. C'est-à-dire que, pareil, dans, toujours dans cette dynamique un peu de prendre le risque minimum, il n'engage pas beaucoup les hanches, un peu à la Alex Pereira, mais bah, comme c'est ce kickboxer-là de classe mondiale, et ben, bah, même avec. Euh, en, en gardant ce low kick où tu gardes les hanches derrière, donc tu es directement prêt à être remis, à se si s'il faut. Enfin, là, tu t'engages pas, tu surengages pas, mais etc. Il fait quand même super mal. Et dans ces différents combats, avec seulement quelques low kicks, bah, il arrivait à mettre les mecs en difficulté. Tu sentais que les gars commençaient à psychoter d'eux. Ok, faut pas que je le reprenne celui-là. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait vraiment utiliser contre Baki, Cédric Doumbé. Alors attention à ne pas se faire choper le low kick quand même, parce que Baki l'a déjà fait et il est bon avec ça. Mais c'est pour ça que peut-être privilégier le low low kick, parce que c'est plus difficile à aller chercher. Tu peux le mettre d'un petit peu plus loin. Et bah ça, ça peut déséquilibrer déjà Baki. Ça peut être une bonne réponse aux feintes constantes de Baki et aux allées et aux, et aux mouvements in and out de Baki, de lui casser ses appuis. Et puis, bah en plus, c'est un combat de 3 rounds, pas de 5, mais vu l'efficacité qu'il a montré jusque-là, bah, au bout d'un round, tu peux déjà un round de 3-4 low kicks de Cédric Doumbé bien placé avec le bon timing, tu peux déjà faire salement du dégât et obliger la personne en face à se réadapter. Et pour finir aussi sur le striking de Cédric Doumbé, c'est ça qui est beau aussi, c'est il a vraiment gardé la base. C'est-à-dire que c'est un peu à la Topuria, dans son style, bah, je sais que c'est pas la même chose, mais c'est vraiment quasiment que qu'anglaise, avec quelques low kicks de temps en temps, et... C'est, il utilise le fait d'aller au corps pour, quand le mec commence à psychoter, bah, tu lui mets un énorme crochet à la tête, ce qu'il a fait par exemple contre Klimas. L'inverse est vrai aussi, tu te focalises sur sa tête et ensuite tu mets des énormes jabs au corps. Et en fait, comme on l'a vu contre euh, Florent Burillon, qu'il a donc terminé à la base en le démontant au corps, bah, c'est ça qui est bien, c'est il est en one shot, mais il peut... Construire une stratégie sans avoir à faire beaucoup de volume, sans avoir à faire beaucoup de choses. Il a besoin que de quelques impacts pour que ça fasse la différence. Est-ce que Baki, et il y a aussi une différence d'allonge de 5 cm, on sait que c'est un maître de la gestion des distances, Cédric Doumbé, est-ce que Baki sera capable de, de, de ne pas se faire toucher par les coups de Cédric Doumbé Forcément, il en prendra. Ça, ça me paraît compliqué que Baki ne prenne aucun coup dans ce combat-là. Est-ce qu'il sera capable d'y résister bah, alors oui, il y a eu le one-shot contre Jordan Zebo, mais euh, Florent Burillon, euh, Title Shai, euh, Pavel Klimas ont pris des coups de Cédric Doumbé et sont restés debout. Ça n'a pas duré longtemps à chaque fois, hein, effectivement, maximum deuxième round, mais voilà, mettre un chaos sur un coup, c'est quand les conditions sont réunies et que le coup est parfait comme il l'a fait contre Jordan, mais c'est voilà, pas comme si c'était dès qu'il te touche, t'es mort. Il y a des grandes chances, beaucoup plus probables qu'avec d'autres combattants, mais... Ben, moi, le seul truc, à la limite, qui me ferait peur pour Baki, c'est le fait qu'il n'y a pas énormément de mouvements de tête latéraux. C'est parce qu'il compte sur son, sur son coup d'œil beaucoup, euh, Baki, et sur ses in-and-out, ses mouvements d'entrée-sortie très rapides. Il ne se fait pas beaucoup toucher, effectivement. Maintenant, face à quelqu'un qui a le coup d'œil de Cédric Doumbé et qui peut faire des pièges aussi, il risque d'en prendre. Et effectivement, il faudra voir comment est-ce qu'il réagit à ce moment-là. L'avantage euh, que peut avoir Baki, c'est que... Ben, et c'est ce qu'il a fait contre Efrain Escudero par exemple dans son dernier combat, c'est que c'est pas que du striking quand il fait ses feintes baki, ben c'est parce qu'il fait aussi des feintes d'entrée, parce qu'il y a des moments où il rentre en clinch quand il rentre en clinch c'est un enfer je sais que Cédric Doumbé vient de, du kickboxing et qu'il a fait du muay thai mais déjà dans sa carrière de MMA on l'a vu plutôt essayer de se désengager le plus vite possible, notamment contre Burion, d'ailleurs il a failli prendre un genou parce qu'il veut absolument pas avoir de phase où il est au contact, où il y a une saisie parce que même si on l'a dit, il n'a pas peur d'y aller, s'il peut ne pas forcément trop prendre de risques, bon bah il y va. Et parce que... Euh, pardon, je me permets de couper Big Bigrosti, parce que c'est un point qu'on rappelle assez régulièrement, parce que Bigrosti, chaque fois qu'il y a des phases de préhension pour un striker, forcément, un peu plus tard dans le combat, ça peut se payer. Exactement, parce que ça taxe sur le cardio, musculairement, sur les lactiques. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi à l'économie avec Doumbé. C'est que, comme il y a différentes phases et que son corps n'a pas été habitué non plus depuis tout petit à enchaîner les phases de grappling, de lutte et de striking, c'est quelque chose, c'est un effort qui est quand même particulier et très différent de celui du pur sport de striking. Et, et surtout, la raison pour laquelle je pense qu'il a désengagé rapidement contre Birion dans le clinch, c'est parce que. On j'ai dit qu'il n'avait pas peur d'aller au sol et qu'il y était allé, notamment clinch contre la cage, et c'est vrai, mais c'était plutôt selon ses, selon ses conditions à lui. Contre Climas, c'est lui qui était en contrôle, c'est lui qui était au-dessus. Contre Burillon, c'est lui qui a engagé contre la cage. Et donc, s'il restait en clinch, il prend le, le risque que ce ne soit pas lui qui engage la mise au sol. Et s'il se retrouve sur son dos, là par contre, ce serait probablement différent. On ne l'a pas vu sur son dos à proprement parler, il me semble, hein, Cédric Doumbé. Et là par contre, ça pourrait être un problème, et c'est ce qu'il veut éviter probablement. Et si ça se retrouve en clinch, Baki en clinch, c'est une galère parce que les années de judo, et on l'a vu que ce soit parmi certaines de ses mises au sol, euh, notamment contre Alexander Michael, ou euh, même la manière dont il fait ses sweeps, ses déséquilibrages, c'est là où tu vois la, la, le coup d'œil qu'a développé pendant toute sa carrière en striking de Strickdoumbé que tu ne peux pas répliquer. Baki peut pas avoir le même coup d'œil, le même timing et la même puissance, la même mécanique de frappe que Strickdoumbé, certes. A l'inverse, quand tu vois ce qu'arrive à faire Baki, j'ai vu, il n'y a pas grand monde que j'ai vu, mais même au plus haut niveau, réussir les, les sweeps, oh je suis en train de défoncer <laughs> mon propre ordi, euh, les sweeps, les balayages, <laughs> les timings qu'il arrive à faire Baki, ouais. c'est du délire. Et il n'y a personne qui a réussi à le dépasser dans ces phases-là. Même euh, certains combattants, euh, par exemple Alexander Michael, qui a essayé de entre guillemets jouer au plus malin, de lui, de mettre au sol de, de Baki, de le renverser. C'est comme si il avait ça tellement dans le sang Baki que il a quoi que tu fasses, il a toujours un coup d'avance sur toi. Et avec cette gestion, tu sais, très propre au judoka mais manipulation du poids, il utilise ton mouvement pour te faire tomber, il se décale et il le fait de manière mais tu peux faire des highlights juste des déséquilibrages, des sweeps, des balayettes et des takedowns de Baki tellement c'est sans effort, il ne dépense pas d'énergie quand il fait ses takedowns dans la majorité des cas. Et c'est pour ça, effectivement, que oui, il y a le striking de Cédric Doumbé et pure striking, bon, il n'y a, a pas, bien sûr, pure striking, il n'y a pas photo, Baki, euh, Cédric Doumbé bat Baki et probablement que, que, que c'est sale, bien sûr. Mais avec cette menace du clinch, cette menace du takedown et le fait que Baki le fasse de manière sans aucun effort et avec une fluidité incroyable, il enfin, on se souvient tous de, ce, de, ce, de cette séquence contre Alexander Michael de Baki où mais c'est, il le, il le, je sais, il le matrique, il joue aux échecs en 4D et il a 5 coups d'avance dans la même séquence. Il lui fait un takedown, il remonte, il lui met un uppercut. Le mec comprend qu'il en espère un uppercut il revient euh, en phase de striking, sauf que Baki est déjà revenu dans les jambes, il le refait tomber. Vraiment, il y a ces gens qui ont le MMA instinctif. C'est-à-dire que c'est pas en mode ok là on est en train de lutter ok on arrête de lutter maintenant c'est striking ok maintenant c'est bon on est au sol qui décortiquent qui font du domaine par domaine et il y en a ça leur vient naturellement de tout faire en même temps sans y penser et Baki c'est ça donc c'est pour ça que striking MMA c'est bien utilisé, c'est un univers totalement différent, parce que quand Baki va faire des, des feintes comme il en fait énormément, et ça marche beaucoup, vous allez voir dans son combat contre Efrain et Scudero, c'est magnifique parce que rien qu'avec les feintes de Baki où il avance comme ça, et en fait tu sais pas s'il vient pour te mettre au sol ou s'il vient pour te mettre un jab, en plus les jabs de Baki c'est du laser, ça part des hanches la, mé la, la mécanique de frappe est monstrueuse ça fait mal, les têtes euh, valsent comme des flippers et donc en fait comme tu sais pas sur quel pied danser ben, t'es toujours en surréaction, tu sais pas quoi faire, et donc Baki, simplement en, en ayant installé son jab et quelques-unes de ses mises au sol, ensuite il n'a plus qu'à feinter pour que le mec soit en panique, et donc il utilise ça. Il feinte, le mec panique, et donc ensuite il envoie un jab parce qu'il a réussi à fixer le gars, il peut vraiment tout faire différemment s'il est arrivé, petit à petit dans le combat, Baki, à faire douter Cédric Doumbé en lui faisant comprendre que, tu as vu, le premier round, je t'ai mis au sol, euh, je t'ai maintenu au sol pendant... Ça. Si ça arrive, je ne dis pas que ça va arriver, mais si c'était ça... Euh, et ensuite, Doumbé, forcément, aurait ce doute qui fait que bah, il a du retard parce qu'il se dit, quand il doit défendre un coup, il se dit est-ce que c'est un coup ou est-ce qu'ensuite il va essayer de me mettre au sol Et donc il a cette demi-seconde de retard et donc il peut prendre des coups aussi. Le striking MMA, c'est ça et c'est pour ça que c'est différent. Et c'est pour ça que, par exemple, Eliatopouria, qui est maintenant champion featherweight de l'UFC, bah, c'était un cas d'école son combat contre Bryce Mitchell parce qu'à un moment donné, il a pris un take down parce qu'il est trop concentré sur son anglaise, défendre son anglaise. Et donc Bryce Mitchell lui met un, deux coups et ensuite il passe dans les jambes. Et Topuria a du retard et il est mis au sol. Donc c'est pour ça que voilà, striking MMA c'est ça. Ce serait pas surprenant que Baki arrive à mettre des coups à Cédric Doumbé, peut-être à le dépasser parce qu'il y a ces demi-secondes, ce doute qu'il peut installer. Et on en parle assez régulièrement Big Rusty là aussi, mais c'est vrai que c'est l'occasion de le rappeler. Il y a pas mal d'exemples en MMA où on a une opposition entre un striker contre un grappleur et c'est le striker qui se fait mettre KO ou qui est dépassé debout, le plus connu étant Conor McGregor qui se prend le premier knockdown de sa carrière à l'UFC face à Rabib Normagomedov et il y en a d'autres aussi bien connus. Ouais, bah, par exemple, on pense à Gokan Saki, qui est aussi une légende du kickboxing, qui s'est fait mettre KO par Khalil Roundtree, qui est donc un, bon, un très bon combattant de MMA, mais voilà, qui n'a pas du tout son pedigree en, en striking. Et donc c'est simplement pour vous dire que c'est possible. C'est évidemment que Cédric Doumbé peut éteindre la lumière sur un seul coup, évidemment qu'il peut avoir Baki à l'usure avec ses coups, notamment au corps, etc., avec ses low kicks, et puis faire douter Baki aussi. Bien sûr, il peut, mais ne soyons pas étonnés si Baki arrive à prendre l'avantage et à briller aussi en striking parce qu'on est en MMA effectivement Big Rusty est-ce qu'on peut passer désormais au pronostic Oui on peut bah, simplement voilà, pour finir parce que comme ça on aura tout complet et puis comme ça j'aurais pas pris toutes ces notes pour rien on peut aussi euh, effectivement bah, dire que bah, bah, c'est marrant parce que Baki on a parlé de la posture et du style de Cédric Doumbé en MMA euh, et d'ailleurs on ne l'a pas dit mais la posture de Cédric Doumbé qui est penché vers l'avant, non seulement comme ça il invite les gens à essayer de toucher sa tête avec de l'anglaise, si tu essaies de lui mettre un kick à Cédric Doumbé et que c'est un kick entre guillemets euh, latéral ou un roundhouse euh, un, ouais, voilà, un, un kick, un middle kick ou un high kick c'est le pire bail il les chope quasiment à chaque fois, on l'a vu avec Jordan Zebo mais il l'a fait aussi contre Klimas, il le chope à chaque fois il te fait un, un belayage ou n'importe quoi il te met au sol mais par contre, de mettre des front kicks, ça peut être aussi une bonne solution pour Baki. Parce que si tu si as une posture vers l'avant, bah forcément, tout ce qui viendra du dessous, que ce soit des genoux ou que ce soit des kicks, c'est galère pour Cédric Doumbé parce que ça lui fait une arme euh, à laquelle il doit faire attention aussi pendant le combat. Pour Baki, ça peut être un peu la spéciale Ramzad, c'est-à-dire que tu lui mets un front kick, ce qui fait que bah, s'il le prend, il le prend. Si Doumbé ne le prend pas et qu'il l'évite comme ça et qu'il remonte, bah, s'il remonte, du coup, toi, ça te fait une demi-seconde où il est plus penché vers l'avant, donc il est plus prêt à se et donc tu peux plonger dans les jambes et le mettre au sol un peu plus facilement, parce que tu as créé le fait qu'il soit plus droit maintenant. C'est Ramzad fait énormément ça, jayton Almeida aussi. Et donc il y a ces front kicks là que peut utiliser euh, Baki. On rappelle que les front kicks c'est quand ça va vraiment du, du bas vers le haut, tandis que les types c'est quand tu vas comme ça horizontalement. Et il en met beaucoup, euh, il en a mis beaucoup euh, de ces kicks là Baki. Et puis pour finir aussi, il bah y a le fait que c'est assez intéressant qu'il y a certains moments où Baki il prend un peu le style Doumbé. Alors c'est chacun à son style, mais il y a des moments où Baki est très léger sur ses appuis, il fait vraiment du in- and out, et il, fait, il est très léger sur ses appuis. Il y en a d'autres où il se met, est aussi un peu penché vers l'avant. Et d'ailleurs c'est marrant, à la manière de Doumbé, il, il invite aussi le jab pour revenir avec un over-end, et il touche moins souvent que Doumbé, et il fait forcément un peu moins mal que Doumbé. Mais c'est assez marrant de voir qu'ils ont ces deux trucs-là qui sont similaires. Et c'est quand il a déjà pris le contrôle du combat aussi. Absolument, absolument. Et puis, bah, écoute, euh, sinon, après, dire aussi que Baki, lui aussi, aime le travail au corps et que ça peut jouer aussi s'il arrive, s'il est en clinch, peut-être avec des genoux. Mais on l'a vu aussi, il adore faire un peu de l'anglaise à la Tyson aussi. Euh, euh, Baki, on l'a vu, contre Escudero, où il fait des trucs, il fait boum, il va à la tête, ensuite il remonte, donc il a fait... Il a fait en sorte que Scudero soit focalisé sur la tête et ensuite, boum, vraiment, c'est des gros chargements à la taille zone et bah, il vient au foie. Et d'ailleurs, ce qui avait précipité la chute des Scudero. Donc, il a aussi ça dans sa besace potentiellement qu'il peut utiliser, Baki, c'est soit venir en clinch et essayer de lui mettre des genoux ou en tout cas de travailler au corps. Et voilà. Et voilà, Bigrosti. Bien, los pronosticos. On vous donne nos pronostics sur le choc, Cédric Doumbé. Bah, gour, Shamsou, Dinov, Big Rusty, parole à la défense. Bah, en fait, et c'est ça qu'on se disait juste avant, et on se parlait du coup des pronos, etc. Et en fait, j'étais en mode, bah, le problème c'est que du coup, maintenant que j'ai pu faire toutes ces recherches et regarder tous ces combats, je m'étais dit, bah, parfait, là je vais vraiment avoir le cœur net. Et la vérité c'est qu'après avoir fait tout ça, si je suis tout à fait honnête avec vous, je suis encore en mode 50-50 et je ne sais pas. Parce que il fait... Je ne me souvenais plus à quel point il était efficace, Cédric Doumbé, même en one shot. Je ne me souvenais plus à quel point. Et je ne me souvenais plus à quel point non plus il était au-dessus de absolument tout le monde Baki. Donc, il faut choisir. Euh, je ne suis pas objectif. C'est vrai, parce que bah, comme je connais Baki, etc., je vais, même en essayant de faire un prono objectif, 50-50, euh, mais je, je mettrai peut-être une petite pièce sur Baki parce que... Je me souvenais plus à quel point le MMA total, euh, il avait dépassé absolument tout le monde sans effort jusque-là. Donc, j'aurais tendance à peut-être dire Baki par décision après trois rounds où il aura réussi à, peut-être avec quelques dangers, quelques, quelques moments d'urgence et d'alarme, mais où il aura pris le contrôle du combat, quoi. Pour ma part, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'objectif ici, je mets un 65-35 en faveur de Baïsangour Shamsoudinov. 65-35 65-35 bah Et je vais expliquer pourquoi. Point numéro 1, il y a eu ce qui s'est passé contre Jordan Zebo, à savoir le pire possible ou le meilleur possible pour Cédric Doumbé a déjà eu lieu. Quand je dis ça, ça me paraît hautement improbable que Cédric bat Baki en 5 secondes. Donc à partir du moment où vous avez eu ça en termes de trash talking, en termes de résultats, en termes de voilà ce qui se passe quand quelqu'un rentre un peu dans ta tête. Pour Baki, ça lui sert autant pour se dire il faut que je m'éloigne le plus de ça. Il y a aussi ce côté, Sangour bah, Shamsouinov, comme l'a dit Big Rosti, est quelqu'un d'extrêmement intelligent et je vais même ajouter un point, peut-être même trop intelligent pour le MMA, qui est un sport mais qui est aussi un spectacle. Et c'est vrai que Baki, la seule reproche qu peut, le seul reproche qu'on peut lui faire jusqu'à maintenant, c'est de ne pas être assez spectaculaire et que, par exemple contre Escudero, contre d'autres adversaires, quand il a vraiment le combat, euh, enfin, il est en train de rouler sur le gars. On pourrait se dire il peut accélérer. Mais Baki, il ne va pas prendre de risque inconsidéré hein, de se dire bon, bah, ça y est, là, j'ai la victoire en poche. Et en plus, une victoire qui est hyper impressionnante, comme vous l'a dit Big Rusty, Tu ne vas pas tout envoyer Valdinger pour faire plaisir au public et pour dire t'es tu es un peu plus spectaculaire. Et ça, pour moi, contre Cédric Doumbé, c'est un avantage parce que Cédric, même si, imaginons, on est dans. Il y a déjà eu deux rounds qui sont en faveur de Baki. Il n'y a peut-être plus le même punching power de Cédric Doumbé. Baki, il n'aura pas ce côté, je pense, à mon sens, de se dire bon, bah, ça y est, là, je peux me permettre de rester debout avec lui. Non, bah, qui restera vraiment à, à, en pleine réflexion et de se dire je vais pas prendre le risque, quitte à, quitte à c'est vrai, euh, empocher une victoire qui aurait pu être plus spectaculaire. Donc ça pour moi c'est rassurant pour lui. Et dernier point et pas des moindres, c'est vrai que quand on regarde tous les combats qu'il y a eu, notamment de Rabib Nurmagomedov, ou quand vous voyez des oppositions lutteur-grappeur, le lutteur... Dicte le combat, il peut dire si ça reste debout ou ça va au sol, il a plus de chemin vers la victoire et surtout le style, on va dire, lutteur, fait que vous avez moins de risques forcément de vous prendre des coups. Et donc, quand vous combinez tout ça, c'est ce qui fait que de mon côté, je vais plutôt vers une victoire de Baïsangour-Shamdouin, même si évidemment, et c'est pour ça qu'il y a le 35%, j'exclus pas que Cédric Doumbé puisse éteindre la lumière à n'importe quel moment. Voilà Big Rosti. Ça me semble complet. Ça me semble limpide. En tout cas, voilà. Rendez-vous au PFL Paris pour une semaine absolument dingue ici. Big Rusty et puis shout out à nos proud sponsors. Ah. My sweet MySweetPotain, moins 30% minimum sur tout MySweetPeace avec le code Lassure Big Rusty. Et puis bon, holy moly, vous le savez désormais, révolution dans les boissons énergisantes, c'est Made in Allemagne, c'est en poudre. Code Lassure 5 pour votre première commande, vous avez moins 5 euros. Lassure 10 pour vos commandes récurrente avec moins 10% et puis Onae. On ne les présente plus sur nos savons, le savon SAS avec BSD qui combat deux jours après Baïsangour et Cédric Doumé qu'on encourage évidemment dans, dans sa tentative d'exploit face à la légende oh. vivante Dustin Poirier et le gentilhomme, notre tout nouveau banger soin visage. C'est disponible sur ONAE.fr Vous pouvez voir le packaging comme dans la forme. C'est inédit, c'est Made in France. C'est validé. à très très vite. Putain, ils sont trop bons en plus. Ouais. En en fond,